partenariat entre l'école supérieure d'art de Clermont Métropole et Michelin en fait est né il y a 2 ans en lien avec un axe de recherche que l'école a mis en place également il y a à peu près 2 ans. Un axe dont l'intitulé est « Les mondes du travail ». Et en fait, l'idée, c'est simplement de pouvoir, faire conjuguer un monde ou un milieu culturel avec l'univers du travail. Le départ du projet, ce workshop en octobre dernier, c'est... On a été sur place avec une équipe, donc il y avait des enseignants de l'école d'art, des étudiants et des chercheurs. C'est des personnes qui sont dans le groupe de recherche de l'école d'art de Clermont-Ferrand. Quand j'ai découvert les pistes pour la première fois, c'était un peu fou parce que je pensais pas que c'était désaffecté, donc c'était vraiment la grande surprise. Et du coup, ouais, c'était comme un espèce de vaisseau fantôme un peu. Un chariot qui faisait des allers-retours pour user des pneus, ça me paraissait trop, trop terre à terre pour que ce bâtiment serve juste à ça. Et on a eu d'anciens ouvriers qui sont venus nous voir pour qu'on puisse les interviewer. Donc on avait des retraités, donc ils ont travaillé aux pistes, en général c'était il y a longtemps. Et des gens qui sont encore en activité dans Michelin, mais qui ne travaillent plus aux pistes puisqu'elles sont fermées depuis 2001. L'expo s'appelle les voies des pistes. C'est parce que le projet il s'est vraiment axé sur ces voies, la voie de ces gens-là, quoi. La question était de comment restituer cette immersion pendant une semaine dans la friche industrielle, nourrie des rencontres, lui donner corps à travers cette réflexion collective et maintenant reprendre sens et cohésion au sein d'un nouvel espace Michelin, parce que nous sommes dans les anciens locaux dédiés à la Formule 1. La parole de ces gens-là, c'est ça qui nous a permis aussi d'appréhender qu'est-ce que c'était que le travail à cet endroit-là et qu'est-ce que c'est que cet endroit-là. Il y a des statuts un peu bizarres puisque c'est pas une usine qui fabrique là-bas. C'était là pour user les pneus, souvent jusqu'à l'éclatement. Du coup, c'était un endroit où on détruisait des choses plus qu'on en créait. La rencontre avec ces personnes, ça nous a permis de réinjecter du réel dans ce qu'on faisait. Enfin, c'était super concret, ils nous ont expliqué tout ce qu'ils faisaient sur les pistes, c'était très technique. Ce n'est pas du documentaire, c'est comment de la rencontre prend corps dans une émotion artistique. Comment du sens et de la justesse d'une exposition d'art naît de par la rencontre. Et ça, c'est une façon de travailler artistique qui est importante et qui est développée au sein de l'École des Beaux-Arts.